Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes lundi 26 juin 2023, il est déjà 17h30. Les soldes c'est pour bientôt, ça dépend des régions, dans certains départements ça a déjà commencé. Un petit peu, non. Mais ici je pars chez nous, les soldes comme dans la plus grande majorité des départements, ça recommencera à partir de mercredi. Donc moi je suis OP pour les soldes, j'ai déjà posé mon jour de congé payé, tout ça je suis bien. Et là il y a Miaou qui vient d'arriver, donc c'est Neige. Oui. Alors, donc pourquoi je fais cette petite vidéo? C'est une vidéo pré-solde si on peut dire. Tout simplement parce que Micromania a pour habitude de ne jamais mettre de jeux en solde le jour de l'ouverture des soldes, mais ils s'y prennent soit quelques jours avant, soit une semaine avant, et ils font des promos. Des promos avec des prix de ouf, des prix fous, qui peuvent parfois rivaliser avec les prix soldes. Là, j'y étais à la base, j'allais à Carrefour pour faire quelques courses, pour acheter à manger. Et dans le centre commercial de Carrefour, avant d'entrer dans les rayons, il y avait un Micromania. Je suis passé devant et c'était pile le moment où on mettait les promotions. Encore sur mon téléphone, j'ai vu, il y avait, avant de partir, j'ai vu, il n'y avait rien de nouveau. Et là, l'employé de Micromania mettait les jeux en promotion. Il y avait pas mal de jeux à des prix très bas. Ça commençait à partir de 4 euros. Il y avait du Lego sur la PS4, il y avait du Lego, du Startopia et autres jeux à partir de 4 euros, d'autres à 9 euros. Des prix vraiment fous, mais c'était des trucs qu'on avait déjà, donc pas forcément très intéressant pour nous. Faut dire que, je sais plus, je crois que c'était Tetsuo qui me demandait combien de jeux on avait sur la PS4 et je crois qu'on arrive sur les 400. Donc et forcément à un moment donné quand il y a des promotions il y a des titres que l'on a déjà donc du coup je ne les achète pas. Par contre j'ai craqué pour un jeu d'Ubisoft tout simplement parce que c'était le seul qui me manquait dans la série et donc du coup je le voulais depuis longtemps. En plus c'est la meilleure édition possible, c'est le fameux Far Cry 6 en édition Ultimate avec les season pass et autres bonus à 19,99€. Alors c'était le dernier exemplaire, celui qui servait pour la présentation. Donc voilà, il y avait le petit autocollant 19€, mais je peux l'enlever. C'est d'aujourd'hui, donc c'est facile à enlever. Voilà. Et voilà. Donc il était à 19,99€, l'édition Ultimate. En général, l'édition Ultimate des jeux style Far Cry, Call of et autres, ça va entre 80 à 100€. Ça peut monter cher. Donc l'avoir à 19€, c'est super. En plus, voilà. On avait tous les autres... Une barre de fer, c'est super. Deux barres de fer, c'est encore mieux. Mais c'est un sketch de Gad Elmaleh, ça, je crois. Et de... Qui est... Jamel Debbouze. Mais bon, voilà, ça, c'est autre chose. Donc bref, donc c'est une petite vidéo pré-solde. Mon seul achat chez Micromania, c'est le Far Cry 6, le seul Far Cry qui manquait dans la collection sur la PS4. Voilà, je suis bien content. Et c'est même pas fermé par ça. Oui, parce que c'était un achat pré-solde, donc voilà, c'était compris dans le budget. Et puis j'ai fait un beau cadeau à Zouglut ce matin, j'ai acheté quelque chose qu'elle voulait depuis très longtemps. Oui, tu m'as trouvé un truc, voilà, c'était une belle trouvaille sur le dessus de la liste de ce que vous les zoom. Maintenant, la prochaine étape, ce sera peut-être la Master System Sonic, on verra. Ah oui, ça... oui, ben. Donc bref, donc cette petite vidéo pré-solde, je referai une vidéo mercredi si j'achète des choses. Ça se trouve, je trouverai rien en solde et je serai bien triste. À ce moment-là, je ferai une vidéo. Ouais, je suis triste, j'ai rien trouvé. Voilà, on verra. Je ferai quand même une vidéo mercredi, soit avec mes belles trouvailles, soit avec rien du tout. Comme on dit, on ne sait jamais ce qu'il va y avoir, donc c'est un peu comme quand on fait les brocantes. Des fois il n'y a rien, on est triste, et des fois il y a des choses, et on est content. Un peu moins quand il y a trop de choses, parce que du coup on est un peu moins content, parce que du coup au niveau de la banque, c'est pas top top. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir.